And we are now in his presence again. Nous nous retrouvons encore dans sa présence. Be prepared. Sois préparé. Be concentrated. Sois concentré. And give focus. Et sois focal. So that you can be able to receive from the Lord. Afin que tu sois en mesure de recevoir de l'éternel. Amen. As we continue speaking about the church. Comme nous continuons à parler de l'Église. And today we are going to speak about the church in the end time. Et aujourd'hui nous allons parler de l'Église pendant le temps de la fin. Amen. Amen. In the introduction of this preaching ecclesia. À l'introduction de cet enseignement ecclésial, we try to show and make up the church to understand. Nous avons essayé de faire comprendre à l'Église how important you are in the eyes of God. Combien tu es important aux yeux de Dieu. Because you are not just anyone. Car tu n'es pas quelqu'un n'importe qui. You were called by God. Tu as été appelé par Dieu. Set aside. Mis à côté. For you to do His will. Afin de faire sa volonté. This is why you are called ecclesia. Voilà pourquoi tu es appelé ecclesia. Amen. Amen. The assembly. L'assemblée. Of those who are called outside the world. De ceux qui sont appelés hors du monde. Set aside. Mis à part. To do the will of God. Pour faire la volonté de Dieu. You may be in the world. Tu peux être dans le monde. But God did set you aside. Mais Dieu t'a mis à côté. As a chosen people. Comme la personne choisie. It means the church. Ça veut dire l'Église. Are the people. Sont des gens. Who are chosen by God. Qui sont choisis par Dieu. So that they can serve Him. Afin qu'ils puissent les servir. To be chosen by God. Pour être choisi par Dieu. You need a favor for him, from Him. Tu as besoin de la faveur de sa part. Amen. Amen. It means you were favored by God. Ça veut dire que tu as reçu la faveur de Dieu. To be a member of the church. Pour être un membre de l'Église. Amen. It is a privilege. C'est un privilège. Even when we look at the Bible, you will see. Même quand nous regardons dans la Bible, vous allez voir. The Bible says Noah found favor in the eyes of God. La Bible dit Noah a eu la faveur aux yeux de Dieu. And God called him to go and build the ark. Et Dieu l'a appelé pour aller bâtir la. You cannot do anything for the Lord if you are not favored by Him. Tu ne peux rien faire de Dieu si il ne t'a pas accordé sa faveur. Amen. Amen. For you to be in the church. Pour que tu sois dans l'Église. It is a favor. C'est une faveur. And I'm telling you, et je te dis. What is the difference? Quelle est la différence? Between you. Entre toi. And the one who's sleeping right now as we're talking. Et celui qui en ce moment dort sur son lit. Because yesterday. Car hier. He was drunk in the bar. Il était ivre. Amen. Amen. And he cannot wake up to come to the church this morning. Et il ne peut pas se lever pour venir à l'Église. What did you do? Qu'est-ce que tu as fait? To be who you are. Pour être qui tu es. For you in this time, pour que pendant ces temps, to be inside the church. Que tu sois dans l'Église. What do you do? Qu'as-tu fait? It is the favor of God. C'est juste la faveur de Dieu. Amen. Amen. These are things that we need to acknowledge. Ceci sont des choses que nous devons reconnaître. We need to appreciate. Nous devons apprécier cela. Just the fact of being a child of God. Juste le fait que nous soyons enfants de Dieu. Amen. Amen. Just the fact that you wake up in the morning. Juste le fait que tu te lèves le matin. Something is telling you. Quelque chose te dit. Go to the church. Va à l'église. It is a favor. C'est une faveur. That voice. Cette voix. It's not everyone who can listen to it. Ce n'est pas n'importe qui peut écouter cette voix. Amen. Amen. It's not given to everyone. C'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. Because right now. Car on se donne. Just walk around the streets. Sors juste et marche sur la route. You will see how many people are sitting. Tu verras combien de gens sont assis. They are talking. En train de they parler. Are doing other things. En train de faire they autre don't chose. Even care about going to the church. Ils n'ont même pas les, pensent même pas aller à l'église. But you are here. Mais toi tu es ici. Because you are free. Car tu as la faveur. Amen. Amen. God did set you aside. Dieu t'a mis à part. For you to worship Him. Afin que tu puisses l'adorer. That's why anything you do. Voilà with God. Toute chose que tu fais avec Dieu. Do it very well. Fais-le très bien. Amen. Amen. Just imagine. Imagine seulement. Noah was favored. Noah avait reçu la faveur. To build up. Pour bâtir l'arche. Then by the time of the construction. Et le moment de la construction. He became negligent. Il est devenu négligent. Amen.
Amen. He was going to perish with others. Il pouvait périr avec les autres. Amen. Amen. When God calls you, lorsque Dieu t'appelle, take the calling seriously. Prends au sérieux cet appel. And whatever you do with God, et toute chose que tu fais avec Dieu, do it very well. Fais-les très bien. Because the church of Christ, car l'église de Christ, it was called, a été appelée, to be a powerful organization. Pour être une organisation puissante. He said, I shall build my church. Il a dit, je bâtirai mon église. And the gate of hell will never overcome it. Et les portes de l'enfer ne vont pas vaincre cela. It means the church. Ça veut dire l'église. That is doing very well his job. Qui fait très bien son travail. Will never be overcome by Satan. Ne sera jamais vaincu par les enfants. Only those who are negligent. Seulement ceux qui sont négligents. Only those who do not know why they were called. Seulement ceux qui ne savent pas pourquoi ils ont été appelés. Voilà pourquoi tu vois la confusion dans le monde. Seems like the church is a weak organization. No. Et ça fait voir comme si l'église n'est pas organisée. It's non. Only because of negligence. C'est seulement à cause de la négligence. God called you. Dieu t'a appelé to worship him. Pour l'adorer. But you don't want to worship him. Mais tu ne veux pas l'adorer. Amen. Amen. This is what I said, every part of the service. C'est ce que j'ai dit que chaque partie du service it is very, very important. Est très important. Amen. Amen. When it is a time to pray, lorsque c'est le moment de la prière, let us all pray. Tous nous devons prier. When it is the time to worship, lorsque le temps de l'adoration, let us all worship. Tous nous devons adorer. When it is the time to listen to the word of God, lorsque c'est le temps d'écouter la parole de Dieu, everyone pay attention. Toute personne doit donner son attention. Amen. Amen. When it's a time to offer, lorsque c'est le moment des offrandes, everyone must give his offering. Toute personne doit offrir. Do you know that it's not right in the church? Connais-tu que c'est pas juste in the offering moment, au moment des offrandes, some give and others they don't give. Les autres donnent, les autres ne donnent pas. Amen. Amen. You should feel pain. Tu dois sentir de la douleur. When you come in the church without an offering, lorsque tu viens à l'église sans l'offrande, your worship is not complete. Ton adoration n'est pas complète. Amen. Amen. The Bible says this. La Bible dit ceci. When Zechariah, lorsque Zacharie was in the temple, était au temple, at the time of the burning offerings, the time of the offer the perfume, le temps d'offrir les parfums. Amen. Amen. When it was lorsqu'il était en train d'offrir des parfums, all the worshippers, tous les adorateurs, ils étaient en train de prier. Amen. Amen. The priest, ça veut dire les sacrificateurs qui font des parfums pour offrir des parfums, which is the symbol of, qui est synonyme de la prière. And the worshippers, et tous les adorateurs they were praying, étaient en train de prier. Not some of them. Pas certains d'entre eux. Amen. Amen. It means those who prayed before us. Ça veut dire ceux qui ont prié avant nous. They were all praying together. Ils priaient tous ensemble. It is not all right. Ce n'est pas juste. You come in the church. Toi venir à l'église. Others are praying. Les autres en train de prier. And you don't pray. Et toi tu ne pries pas. Amen. Amen. I will just give you a simple image. Je vais juste te donner une image simple. You go to a Muslim mosque. Tu vas dans un mosquée de musulmans. It is a time where everyone has to kneel down. C'est le moment où tout le monde doit s'agenouiller. Put their head down so that they can pray. Et placer leur tête sur le sol. Did you ever see anyone walking around? As-tu déjà vu quelqu'un en train de marcher autour? Or sitting down. Ou bien s'asseyant? Amen. Amen. They do it all together. Ils font tous ensemble. Amen. Amen. Because according to that organization. Car selon leur organisation. C'est le moment de la prière. Listen, if you want to serve God, écoute, si tu veux servir Dieu, there is only two things. Il n'y a que deux choses. Or do it very well, ou bien tu le fais très bien. Or don't do it at all. Ou bien ne le fais pas. Tout. Amen. Amen. God said those who are warm. Dieu dit ceux qui sont warm, yeah. Ceux qui sont tièdes. Those who are lukewarm. Ceux qui sont tièdes. I will vomit them. Je vais les vomir. God don't like the Christians who are in between. Dieu n'aime pas les chrétiens qui sont dedans, un pied dehors. Your identity cannot be known. On ne peut pas t'identifier. Sometimes you are a Christian, sometimes you are a pagan. Parfois tu es chrétien, parfois tu es païen. Amen. Amen. I remember yesterday I was driving with some of my workers in the car. Je me rappelle hier, j'étais en train de conduire avec l'un de mes travailleurs dans la voiture. Then I put the music.
J'ai mis la musique. And one of them tells me, "Hey, pastor, it's too hot." Et l'un d'eux me dit, "Mais pasteur, il fait très chaud." And the music is very loud. Et la musique est tellement haut. I say, "No, I need the Holy Spirit when I'm driving." J'ai dit, "Non, j'ai besoin du Saint-Esprit lorsque je conduis." Amen. Amen. That's why I need the worship. Voilà pourquoi j'ai mis cette adoration. Then I asked him, "Don't you have the Holy Spirit?" Je lui ai posé la question, "N'as-tu pas le Saint-Esprit?" He said, "I do have them sometimes and sometimes not." Il dit, "J'ai le Saint-Esprit parfois et certains temps je l'ai pas." Amen. He said, "Sometimes I have the Holy Spirit, but sometimes I don't have." Il dit, "Parfois j'ai le Saint-Esprit." And there are people like that in the church. Et il y a des gens comme ça. Sometimes they have the Holy Spirit. Certains temps ils ont le Saint-Esprit. And sometimes even himself knows. Et certains temps lui-même connaît. What I'm doing now. Que ce que je fais. The Holy Spirit is not with me. Le Saint-Esprit n'est pas avec moi. Amen. Amen. With the church. Avec l'église. For you to remain powerful. Pour que tu demeures puissant. Do very well. Fais très bien. Whatever the Lord wants you to do. Tout ce que Dieu veut que tu fasses. This is how you will remain strong. Voilà comment tu vas demeurer puissant. Amen. Amen. The greatest thing. La plus grande chose. The greatest challenge. Le plus grand challenge. That we have with the enemy. Que nous avons avec l'ennemi. And what the enemy wants to destroy in us. Et ce que l'ennemi veut détruire en nous. It is our faith. C'est notre foi. Amen. Amen. As soon as you become weak in faith. Aussitôt tu deviens faible dans la foi. You are under the control of the enemy. Tu es sous le contrôle de l'ennemi. Because faith is that shield. Car la foi c'est ce bouclier. That is protecting. Qui te protège. Against all the flaming arrows of the enemy. Contre toutes les flèches des ennemis. And you need your faith to remain strong. Et tu as besoin que ta foi demeure puissante. Amen. Amen. Remain strong in the Lord. Demeure puissant dans les ennemis. Everything that I preached before. Toute chose que j'ai prêché avant. So to show you that the church is very powerful. C'était juste pour te montrer combien l'église est puissante. With the church. Avec l'église. The Lord is giving back to a man. Le Seigneur donne, redonne à l'homme. The power that he lost in the beginning. La puissance que l'homme avait perdu when Adam sinned. Lorsque Adam avait péché. Amen. Amen. With the church comes the restoration. Avec l'église vient la restauration. And that restoration is given to those who believe. Et cette restauration est donnée à ceux qui croient. This is what Jesus said. C'est ici où Jésus. This is the miracle. Voici le miracle. That will go together with those who believe. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. Miracle goes with those who have faith. Les miracles vont avec ceux qui ont la foi. The power of God. La puissance de Dieu. Walk with those who have faith. Marche avec ceux qui ont la foi. Amen. Amen. And God remains the same. Et Dieu demeure le même. Amen. Amen. It is your faith. C'est ta foi. That will determine. Qui va déterminer. The greatness of God upon your life. La grandeur de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. For those who believe in great things, they will see great things. Pour ceux qui croient aux grandes choses verront des grandes choses. Those who believe in small things, they will only see small things. Ceux qui croient aux petites choses ne verront que des petites choses. Because everyone will receive according to his faith. Car tout le monde recevra selon sa foi. Amen. Amen. It is the time. C'est le temps. For you to stand. Pour que tu t'élèves. This is also a message of revival. Ceci est aussi un message de réveil. I want someone to be awake. Je veux que quelqu'un se lève. To revive your spiritual life. Réveille sa vie spirituelle. To stand as a true member of the church. Se lever comme un vrai membre de l'église. In prayer. En prière. In worship. En adoration. In praise. En louange. In everything that you can do to the Lord. Dans toutes choses que tu peux faire pour les élèves. Fais bien, très bien. Amen. Amen. But the church in the end time. Mais l'église au temps de la fin will experience a lot of challenges. Va expérimenter beaucoup de choses. With a purpose of destroying our faith. Avec comme but de détruire notre foi. Amen. Amen. This is what the church needs to understand. C'est ce que l'église doit comprendre. The church will not go only through blessing and blessing. L'église ne va pas toujours aller de bénédiction en bénédiction. Through peace and smiling. Seulement la paix et les sourires. No. Non. Challenges. Il y a aussi des défis qui viendront. In the promises given to the church by Jesus. Dans la promesse faite à l'église par Jésus. He said persecution also will come. Il dit les persécutions viendront. But the church need to remain strong. Mais l'église doit demeurer ferme. Now listen very well. Écoute très bien. When things are still fine. Lorsque les choses sont encore bonnes. You don't pray. Tu ne pries pas. When it will get worse. Maintenant lorsque ça deviendra pire. I'm telling you it will be difficult. Je te dis, ça sera difficile pour toi de prier. Amen. Amen. Pray now. Prie maintenant. When things are still okay. Lorsque les choses vont encore bien.
Stand in prayer. I insist. Stand in prayer, Church of God. Lève-toi en prière. J'insiste. Lève-toi en prière, l'Église de Dieu. Amen. Let change even the atmosphere of prayer inside the church. Nous devons changer l'atmosphère des prières dans l'Église. Amen. When it's the time of the prayer, I would like to see everyone pray. Lorsque c'est le temps de la prière, je veux voir tout le monde prier. Reactivate your life of prayer. Réactivez votre vie de prière. The Bible says, do not put off the fire of the Spirit. La Bible dit, n'éteignez pas le feu du Saint-Esprit. Don't become cold. Ne devenez pas froid. In prayer, en prière, in the reading of the word, en lecture de la Bible, meditation, dans la méditation, and in coming to church. Et la venue à l'église. Amen. Amen. Very important, dear. Très important, mes bien-aimés. Do your best. Fais ton mieux. To always be present. Afin d'être toujours présent. Amen. Amen. Very, very important. Très important. The Bible says, la Bible dit, as long as the day approach, aussitôt que les jours approchent, we cannot give up our meeting together. Nous ne pouvons pas abandonner nos rencontres ensemble. Amen. Amen. And the day is approaching. Comme le jour approche. As we are approaching to the coming back of Jesus Christ. Comme nous nous rapprochons de la venue de Jésus-Christ. We cannot give up. Nous ne pouvons pas abandonner our meeting together. Nos rencontres ensemble. Amen. Amen. Let us go to the Bible. Allons dans la Bible. And I pray that the Lord will give somebody an understanding today. Et je prie que Dieu puisse donner une compréhension à quelqu'un. Because aujourd'hui, the message of today, car le message de aujourd'hui, will be exactly what the church is going through right now in this period we are going through in the world. Sera exactement ce que l'Église est en train de traverser en ce moment. Amen. Amen. I will show the time. Je vais vous montrer le temps. And I will also speak about the behaviors of the people in this time. Et je vais vous montrer aussi le comportement des gens pendant ces temps. I will read two chapters. Je vais lire des chapitres. Revelation chapter number 12. Apocalypse 12. Verse 1. À partir du premier verset. Also verse 6. Je vais m'arrêter à 6. Then we read 1 Samuel chapter number 17. Et après nous allons lire 1 Samuel 17. Verse 26 to 30. À partir des 26 à 30. We're going to read in Jesus' name. Revelation 12. Apocalypse 12. A great and wondrous sign appeared in heaven. A woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Then another sign appeared in heaven. An enormous red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on his head. His tail swept 1/3 of the stars out of the sky and flung them to the earth. The dragon stood in front of the woman who was about to give birth so that he might devour her child. The moment it was born, she gave birth to a son, a man child, who will rule all the nations with an iron scepter. And her child was snatched up to God and to his throne. The woman fled into the desert to a place prepared to her by God, where she might be taken care of for 1260 days. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement, un autre signe parut encore dans les ciels. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tierces des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paraître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Yes, go to 1 Samuel chapter 17, 26 to 30. David asked the man standing near him, what will be done for the man who killed this Philistine?
and remove this disgrace from Israel. Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? They replied to him that they had been saved and told him, this is what will be done for the man who kills him. When Eliab, the bit older brother, heard him speaking with the man, he burned with anger at him and asked, why have you come down here? And with whom did you leave those few sheep in the desert? I know how conceited you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the battle. Now, what have I done? David asked. Can't I even speak? He then turned away to someone else and brought up the same matter, and the man answered him as before. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des déçus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Amen. Amen. May God bless his word. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. We go first of all to the Revelation. Nous commençons d'abord avec l'Apocalypse. Because this chapter of 12 of Revelation. Car c'est 12e chapitre d'Apocalypse. It is a very great chapter that summarizes the time of the end. C'est un grand chapitre qui résume les temps de la fin. It speaks about three different times at the same moment. Ça parle de trois différents temps au même moment. Amen. Amen. It speaks about the first coming of the Lord Jesus Christ. Ça parle de la première venue de Jésus-Christ. It speaks about the time of the church. Ça parle du temps de l'Église. And it speaks about the time after the church in which Israel will go through a tough time. Et ça parle du temps après l'Église dont Israël va traverser des moments. And it ends the chapter with the war of Armageddon. Et ça clôture le chapitre avec la guerre d'Armageddon. Amen. Amen. Everything is related in this prophecy. Toute chose est relatée dans cette prophétie. And the Bible says. Et la Bible dit. First of all, a great sign that appeared. Premièrement, les grands signes qui étaient apparus. And in this first part of the vision was a woman. Et dans cette première partie de la vision, il y avait un homme. And the woman et cette femme, was pregnant, elle était enceinte. About to give birth. Et elle voulait enfanter. And over her head, et au-dessus de sa tête, was a crown, il y avait une couronne of 12 stars, avec 12 étoiles. And under her feet, et sous ses pieds, was a moon, il y avait une lune. And she was covered by the sun. Elle était couverte du soleil. Amen. And when the woman gave birth, et lorsque la femme a donné naissance, a male child. Elle a enfanté un fils. Amen. Amen. That's the first part of the revelation. Ça, c'est la première partie de la révélation. Amen. Amen. This first part, cette première partie, speak about the first coming of Jesus Christ. Parle de la première venue de Jésus-Christ. When he came physically in the world. Lorsqu'il était venu physiquement who dans le monde. Who is the woman? Qui est la femme? This woman represents the nation. Cette femme représente la nation. Amen. Amen. A nation with 12 stars. La nation avec 12 étoiles. Has a crown.
comme une couronne. Which are the 12 tribes of Israel. Qui est les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. And the child who was born from the woman. Et ce fils qui était né de cette femme. It is the Lord Jesus Christ on his face coming. C'est Jésus-Christ dans sa première venue. Amen. Amen. And this woman. Et cette femme. Was covered by the sun. Était couverte du soleil. Or the sun. Or le soleil. Was the light of the Lord. C'était la lumière de that le Seigneur. Was shining upon Israel. Qui brillait, qui rayonnait sur Israël. Only in the time of the law. Seulement au moment de la loi. Amen. Amen. Because at the time of the law. Car le temps de la loi. Only Israel had the light of God. Seul Israël avait la lumière if de Dieu. If you want to listen to the word of God, you have to go to Israel. Si tu veux écouter la parole de Dieu, tu dois aller à Israël. Every other nation. Tout le reste des nations. They did not have the light of the Lord. Ils n'avaient pas la lumière de le Seigneur. Amen. Amen. This is at the time of the law. Ça, c'est au moment de la loi. Under his feet. Et sous ses pieds, was the moon. Il y avait la lune. And the moon et la lune represent the church. Représente l'église. Amen. Amen. Because when Israel had the lights, car lorsque Israël avait la lumière, the church was under his feet. L'église était sous leurs pieds. Without a light. Sans la lumière. Because in reality, car en réalité, the moon don't have the lights. La lune n'a pas de lumière. Amen. Amen. And the moon appeared at a dark moment. Et la lune apparaît que au moment sombre. Amen. Amen. And during the day, durant la journée, when the sun is shining over the earth, lorsque le soleil éclaire sur la terre, what the moon does? Qu'est-ce que la lune fait? It absorbs the light from the sun. Ça absorbe la lumière du soleil. Amen. Amen. And at night. Et la lune, the moon reflect that light. La lune va refléter cette lumière. Because on her own she don't have light. Car par soi-même elle n'a pas la lumière. So was the church. C'est comme ça qu'est l'église. When the light was shining in Israel. Lorsque la lumière est en train de briller. The church had no light. L'église n'avait pas de lumière. Amen. Amen. But when Israel rejected the Lord, mais lorsqu'Israël a rejeté le Seigneur, rejected the light, ils ont rejeté la lumière. The church absorbed that light. L'église a absorbé cette lumière. Now today in the dark, in the darkness period of the prophecy. Aujourd'hui dans les périodes des ténèbres de la prophétie. The church is reflecting now that same light. L'église reflète cette même lumière. That received from Israel. Qu'elle a reçu Israël. Because the Bible says, car la Bible dit, when Jesus Christ came, lorsque Jésus Christ in the book of John, chapter number 1, dans Jean 1, I will read it quickly. Je vais lire cela. John 1. Jean 1. Verse 4, the Bible says, le quatrième verset. In him was life. And that light was the light of men. The light shines in darkness, but the darkness has not understood it. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Here the Bible speaks about Jesus on his face coming. Ici, la Bible parle de Jésus dans sa première venue. Amen. Amen. He was life. Il était la vie. And that life. Et cette vie. Was the light of the world. Était la lumière du monde. He shined over Israel. Il a brillé sur but Israël. But they did not understand him. Mais ils l'ont pas compris. Amen. Amen. He was rejected. Il a été rejeté. Then the church. Et l'église absorbed that light. A absorbé cette lumière. So that today. Afin qu'aujourd'hui, we can shine over the darkness. Nous pouvons briller sur les ténèbres. Amen. Amen. And you as a church, you have to understand. Et vous comme église, vous devez comprendre. If you don't shine today, si tu ne brilles pas aujourd'hui, you are not fulfilling your mission. Tu ne remplis pas ta mission. It is the time to reflect the light. C'est le temps de refléter ta lumière. Israel did reject. Que Israël avait rejeté. Which is the Lord Jesus Christ. Qui est le Seigneur Jésus. How do we reflect him? Comment allons-nous refléter cela? It is through his word. C'est à partir because de sa parole. Says, car la Bible dit. In the beginning was the word. Au commencement était la parole. The word was with God. La parole était avec and Dieu. The word was God. Et la parole était Dieu. In the word was life. Dans in la the word was life.
Dans la parole, il y avait la vie. That life, et cette vie, it was the light of the world. C'était la lumière du monde. Amen. Amen. Then whoever speaks about the word, quiconque va parler de la parole, is sending light to the world. Il envoie la lumière au monde. And you are giving people life wherever you are. Et vous donnez la vie partout où vous êtes. Amen. Amen. This first part of the prophecy, à sa première partie de la prophétie, it's showing the position of the church before the time of the grace. Ça montre la position de l'Église avant les temps de Christ. We did not have the light. Nous n'avions pas la lumière. But light was in Israel. Mais la lumière était en Israël. And Jesus was born. Et Jésus était né. In Israel. En Israël. But the devil wanted to destroy him. Mais le diable voulait le détruire. Amen. Amen. We know about his death at the cross. Nous connaissons sa mort sur la croix. He didn't know that it was a victory for the church. Il ne savait pas que c'était la victoire pour l'Église. Amen. Amen. Because the death of Jesus, car la mort de Jésus, brought grace to the church. A apporté la grâce à l'Église. A apporté la vie à l'Église. So that who were not the people, afin que nous qui n'étions pas, we may become the people of God. Nous pouvons devenir les peuples de Dieu. As who did not have light, nous qui n'avions pas la lumière, we can have light today. Nous pouvons avoir la lumière. Because those who received light, car ceux qui ont reçu la lumière, rejected that light. Ils l'ont rejeté. Amen. Amen. That is the first part. Ça c'est la première partie. Now the second part of the prophecy. Maintenant, la deuxième partie de la prophétie. It's showing now the time in which the church is going through. Ça montre maintenant le temps que l'Église est en train de traverser. Because the Bible says, car la Bible dit, the Son was snatched up to heaven. Les fils étaient élevés vers le ciel. Amen. Amen. Today, as we're speaking, Jesus was snatched up in heaven. Aujourd'hui, comme nous parlons, Jésus a été élevé au ciel. Then another sign appeared. Et un autre fils est apparu. Another sign. Un autre signe. Then it was an enormous red dragon. C'était a red dragon. Un dragon rouge. Amen. Amen. This dragon. Ce dragon was sweeping. Était en train de balayer. The third of the stars. Le tiers des étoiles. With his tail. Avec sa queue. Amen. Amen. Remember this. Rappelez-vous ceci. He is sweeping. Il est en train de balayer. The third of the stars. Le tiers des étoiles. With his tail. Avec sa queue. And flinging them down. Et en train de les envoyer en bas. Amen. Amen. Or the dragon. Or les dragons. It represents only one person. Ça représente qu'une seule personne. Satan. Le Satan. Amen. Amen. Speaking about the stars. Parlant des étoiles. Revelation 1. Apocalypse 1. Hein? Verse 20. 22. 20. Verse 20, the Bible says. La Bible dit. The mystery of the seven stars that you saw in my right hand, and the seven golden lampstands is. The seven stars are the angels of the seven churches. And the seven lampstands are the seven churches. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Amen. Amen. The dragon represents Satan himself. Le dragon représente les Satan lui-même. And what are the stars? Et quelles sont les étoiles? The Bible says are the angels of the church. La Bible dit ce sont des anges de l'Église. For the angel. Or les anges. It is a messenger. C'est un messager. A sender. Un messager, un envoyé. Somebody who's been sent to deliver a message. Quelqu'un qui a été envoyé pour donner un message. And a messenger or an angel represents also the priest or the pastors. Représente aussi les sacrificateurs ou bien les pasteurs. Because the apostles, car les apôtres, are those who have been sent. Sont ceux qui ont été envoyés. Amen. Amen. Because when Jesus was with the disciples, car lorsque Jésus était avec ses disciples, he called them disciples when he was teaching them. Il les appelait disciples lorsqu'il était en train de les enseigner. Because a disciple, car un disciple, is the one who received a teaching from a master. Et c'est lui qui reçoit l'enseignement. But an apostle, mais un apôtre, is the one who's been sent. C'est lui qui a été envoyé. A messenger. Un messager. That's why you will see. Voilà pourquoi tu when he finished to
teach them. Lorsqu'il a fini de les enseigner. Amen. Amen. Then he sent them. Et il les envoie. And when you look at the Bible from Acts, from the book of Acts. Lorsque tu regardes la Bible à partir des livres de l'Acte. They don't call them disciples anymore. On les appelle plus des disciples. Amen. Amen. Because now they are the stars. Car maintenant ce sont des étoiles. The messengers. Des envoyés. Because they've been sent. Car ils ont été envoyés. Or to the church. Or pour l'église. Jesus says this. Jésus a dit ceci. Do not yet go. N'allez pas encore. Wait. Attendez. You will receive the Spirit from above. Vous recevrez l'Esprit. The Holy Spirit will come on you. Le Saint-Esprit viendra en vous. And you will become my witnesses. Et vous deviendrez mes témoins. Those who will be sent. Ceux qui seront envoyés. To testify about me. Pour témoigner à propos de moi. In Jerusalem. En Jérusalem. In Judea. Et en Judée. In Samaria. Until the end of the world. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. That is the church. C'est là est l'Église. Amen. The messengers. Les envoyés. The church. L'église. It is the kingdom of priests. C'est le royaume des sacrificateurs. Amen. Amen. Do you know that you are the kingdom of priests? Sais-tu que tu es le royaume those des sacrificateurs? Ceux qui sont choisis. Those who have been set aside. Ceux qui sont mis à part. So that you can deliver a message. Afin que tu puisses livrer un message. To the world. Au monde. Amen. Amen. And this star. Et c'est toi. It represents also you. Ça te représente aussi. Amen. 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 When they speak about the messenger, lorsqu'on parle de are those who are sent by the Lord. C'est ceux qui ont été envoyés par Amen. Le Seigneur. That's why you see that an angel is also called as a messenger because when you see the mission, it was God who was sending them to deliver a message to the people. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de l'ange, on parle aussi de lui comme un messager, car c'est à travers eux que Jésus envoie les messages. Amen. You Amen. See the mission of angel Gabriel. Vous verrez la mission de l'ange Gabriel. Amen. De temps en temps, il venait au monde pour livrer un message. It was him who met with Mary. C'était lui qui avait rencontré Marie. Avec beaucoup d'autres. Amen. Amen. There was also an angel like Michael. Il y avait aussi l'ange comme Michael. He was more sent to come and fight hell, set free people. Il était plus envoyé pour combattre et libérer les gens. Amen. Amen. And the church. Et l'église, it is also the assembly of messengers. C'est l'assemblée aussi des envoyés. Now we go to the prophecy. Maintenant, nous allons à la prophétie. In the time the church is going through today, le temps où l'église est en train de traverser aujourd'hui, it is a moment, c'est le moment in which the red dragon, où le dragon rouge, he is busy, il est occupé, sweeping out the stars, en train de balayer les étoiles. Pour les renvoyer vers les gens. In a simple way. Dans un simple. We are living a time. Nous sommes en train de vivre in which Satan où les Satan is doing his best. Est en train de donner le meilleur de lui. Pour faire tomber. Many children of God. Beaucoup d'enfants de Dieu. That's why when you open your eyes and you look at very well. Voilà pourquoi lorsque tu ouvres tes yeux, tu regardes très bien. You will see that the testimony of the church. Tu verras que les témoignages de l'église. It's been destroyed. A été détruit. By the work of Satan. Par les œuvres du Satan. Amen. Amen. You will hear news today. Tu vas écouter des informations aujourd'hui. There is a pastor who did this. Il y a un pasteur qui a fait ceci. There is a pastor who pregnant there. Il y a un pasteur qui a enceinté là-bas. There is a pastor who stealing there. Il y a un pasteur qui a volé there là-bas. There is a pastor who doing this and that. Il y a un pasteur qui a fait ceci, cela. Beloved, it is the work of Satan. Mais bien aimé, ce sont les œuvres that de is Satan. Mission. C'est ça sa mission. Amen. Amen. To take us down. Afin de nous faire tomber. Because if I go down today. Car si je tombe aujourd'hui. Many in the church, in this church, they will go down together. Beaucoup de membres de cette église vont tomber avec moi. Many will abandon faith. Beaucoup vont abandonner la foi. Many will never even go to church again. Beaucoup ne vont même plus aller à l'église. That's why the devil is starting with us pastors. Voilà pourquoi le diable commence avec nous pasteurs. Amen. But what the church does today? Ben c'est que l'église fait aujourd'hui. We smile, we laugh about it. Nous sommes en train de sourire à propos de ça. Amen. Amen. We criticize about it. Nous sommes en train de critiquer. This is the biggest problem. Ceci est un grand problème. Why the devil is fighting us? Pourquoi le diable est en train de nous combattre? While the devil is fighting pendant us, le diable est en train de nous combattre. We are fighting the devil. Nous sommes en train de se battre les uns contre les autres. It's supposed not to be like this in this end times. Ce n'était pas supposé être comme ça. May the Lord open the eyes of this church through this message. Que l'Éternel ouvre les yeux de l'Église par We are message. In the time of the dragon. Nous sommes au temps des dragons. When he's sweeping the stars and throwing them down. Où il est en train de balayer les étoiles et les. The Bible says he will throw the third of the
stars. La Bible dit qu'il fera tomber les tiers des étoiles. It is a big number, you know that. C'est un grand nombre, tu sais cela. Amen. Amen. It is a very big number. C'est un grand nombre. Many will fall. Beaucoup vont tomber. Many pastors will go down. Beaucoup de pasteurs vont tomber. Amen. Amen. I know men of God. Je connais les hommes de Dieu. Which I appreciated so much. Que j'avais beaucoup apprécié. They were my models. Ils étaient mes modèles. But today, mais aujourd'hui, they are down. Ils sont tombés. I know. Je connais. Amen. Sometimes I ask myself a question, what happened? Parfois je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? I've seen people changing the preaching. Je vois les gens changer les prédications. Someone was a very good preacher. Quelqu'un qui était bon prédicateur. Today when you listen to him, you don't know what happened. Aujourd'hui quand tu l'écoutes, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Amen. It is a war. C'est une guerre. Amen. Amen. Today the church don't realize this reality of war. Aujourd'hui l'église ne réalise pas cette réalité. The devil has come so much inside the church. Le diable est devenu tellement dans l'église. In which instead of the church fighting the devil. Au lieu que l'église puisse combattre les diables. The church is fighting one another. L'église commence à se battre. We see others as witches. Les uns nous les voyons comme des sorciers. The others like our enemies. Les autres comme nos ennemis. Amen. Amen. Somebody is ever praying against Satan, you pray against your sister. Certains, au lieu de prier contre les Satan, tu pries contre ta soeur, ton frère. Amen. I'm battling that brother in the name of Jesus. Je suis en train de combattre ces frères et ces soeurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Is not bounding Satan. Au lieu de lier les Satan. Amen. Amen. Binding your brother, binding your sister. Tu lis ton frère, tu lis ta soeur. Amen. Amen. You go to somebody's house, you cannot even eat food anymore because we are so afraid of one another. Tu vas chez quelqu'un, tu as même peur de manger la nourriture parce que nous avons peur les uns des autres. Division has entered so much in the church. La division est entrée dans l'église. It is the tail of the dragon. C'est la queue du dragon. It's working. C'est en train de. We don't realize it, but it is there. Nous ne réalisons pas cela, mais ça est là. Amen. Amen. Whoever destroys his own brother, in the world. Quiconque détruit son propre frère. He is under the influence of the tail of the dragon. Est sous l'influence de la queue du dragon. Don't you like it or not? Que tu puisses aimer ou pas. This is the reality. C'est ça la réalité. You are being carried by the tail of the dragon. Tu es entraîné par la queue du dragon. Because his mission. Car sa mission. It is for the church to go down. C'est pour que l'église puisse tomber. Amen. Amen. You will see that something wrong happened to one church. Tu entends qu'il y a une mauvaise chose qui est arrivée à l'autre église. Other churches are celebrating. L'autre église est en train de célébrer. Instead of praying for them. Au lieu de prier pour today, eux. Today churches don't pray for one another anymore. Aujourd'hui les églises ne prient pour les uns des autres. The church of our neighbors is in trouble. L'église de nos voisins est en trouble. We see this as an opportunity to go and seek for members to come to us. Nous voyons cela comme une opportunité pour prendre les membres de cette église venir. Amen. Amen. You will see a pastor going to see your pastor is not in the way anymore. Tu vas voir un pasteur aller dire à un fidèle ton pasteur n'est plus dans la même place. Viens dans mon église. There is bad. Là-bas, this is an opportunity to fill up the church. Il voit cela comme une opportunité pour remplir l'église. It's supposed not to be like this. Ce n'était pas supposé être ce comme ça. Church is supposed to be standing for one another. L'église était supposée se tenir. When one church goes down, lorsqu'une église a we understand that the dragon is fighting them. Nous comprenons que le dragon est en train de les combattre. Let us pray for them. Nous devons prier pour eux. Amen. Amen. Listen very well. Écoute très bien. When you smile. Lorsque tu souris, for the problem of the other person, pour les problèmes d'une autre personne, know that your time is a problem of his God. Tu dois comprendre que ton temps de problème aussi arrive. Amen. Amen. It will also come to you. Ça va aussi arriver pour toi. Amen. Amen. We need to start praying for one another. Nous devons commencer à prier les uns pour les that's autres. Why I took the example of David. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de David. To show the attitude pour vous montrer l'attitude that the church must have. Que l'église doit avoir. In the history of David, dans l'histoire de David, there are two different kinds of attitude. Il y a deux sortes d'attitude. There is the attitude of David. Il y a l'attitude de David. And there is the attitude of Eliab, his elder brother. Et il y a aussi l'attitude d'Eliab qui est son grand frère. Amen. Amen. The nation of Israel, la nation d'Israël, was in trouble. Était en tourment. Amen. Amen. Goliath stood up. Goliath s'est levé. He's cursing the nation of Israel. En train de maudire la nation d'Israël. He's cursing the God of Israel. En train de maudire le Dieu d'Israël. He humiliated them. En train de les humilier. For days. Pour pendant le jour. No one could lift up his finger. Personne ne pouvait lever son doigt. To go and fight with Goliath. Pour aller combattre Goliath.
The assembly of Israel. L'assemblée d'Israël. Was humiliated and in shame. Et humilié et dans la honte. Amen. Amen. Then David came. Et David est venu. Amen. Amen. He was not in the army. Il n'était pas dans l'armée. But he belonged to Israel. Mais il appartenait à Israël. Amen. Amen. He saw himself as one of them. Il s'est vu lui-même comme l'un d'eux. And when he gets there, et lorsqu'il est arrivé, he heard about all the insults. Il a écouté à propos de tous les insultes. Il a vu cette humiliation. And David said, et David a dit, who is this uncircumcised Philistine? Qui est cet incirconcis Philistin? To insult the army of the Lord. Pour insulter l'armée de l'Éternel. Amen. Amen. Here, David. Ici David. Don't see Israel only as a nation. Il ne voit pas Israël comme seulement une nation. But as the army of the Lord. Mais comme une armée de l'Éternel. Because in Israel. Car en Israël. David is seeing the name of the Lord. David est en train de voir le nom de l'Éternel. The same in the church. De même à l'église. There is something precious that we do have. Il y a quelque chose de précieux que nous avons. That is uniting us all. Qui nous unit tous ensemble. It is the name of the Lord. C'est le nom de l'Éternel. Amen. Amen. I cannot accept. Je ne peux pas accepter. The name of the Lord. Que le nom de l'Éternel. To be shamed in the life of my sister. Soit humilié dans la vie de ma sœur. Because it is the same name of worship. Car c'est le même nom que j'adore. Amen. Amen. It is that name that is uniting us. C'est ce nom-là qui nous unit. A true member of the church. Un vrai membre de l'Église. Must be in pain. Il doit être dans la douleur. When things are going wrong in the church. Lorsque les choses ne vont pas bien dans l'Église. Amen. Amen. You must be in shock. Tu dois être dans les chocs. When things are going wrong. Lorsque les choses ne vont pas bien. When your sister sins. Lorsque ta sœur péche. When your brother sins. Lorsque ton frère péche. It is not a subject for you to criticize. Ce n'est pas quelque chose pour toi de critiquer. To spread the news. Pour propager. Because this is what we're doing in the church today. C'est ce que nous faisons à l'église. When one is weak. Lorsque l'air est faible. We rush to go and speak about it in the street. Nous courons pour aller propager cela dans la rue. We become the informers of our own problems. Nous devenons des informateurs de nos propres problèmes. People who do not come to the church. Les gens qui ne viennent pas à l'église. They are learning from it to us. Ils apprennent cela à nous. Amen. Amen. I will tell you one thing. Je vais te dire une chose. You know that if your husband don't come to the church. Tu sais si ton mari ne vient pas à l'église. You're not allowed to tell him the problem of the church. Tu n'es pas permis de lui dire les problèmes de l'église. Amen. Amen. You know that. Sais-tu cela? Amen. Amen. Hey, I'm telling you, they waste now. Amen. Amen. But he's not worshiping with you. Mais il ne prie pas avec toi. Then he will speak to his friend. Et il va parler à son ami. Amen. He may even stop it from coming. Et il peut même t'arrêter de venir. But when there is a problem, mais lorsqu'il y a un problème, you pray. Prie pour cela. We cannot encourage what is wrong. On ne peut pas encourager ce qui est mauvais. Mais nous devons prier pour ceux qui sont faibles. For the Lord to save them. Afin que l'Éternel puisse les sauver. Voilà notre responsabilité. Amen. Amen. David took responsibility. David a pris la responsabilité. He said, I cannot allow the name of the Lord to be shamed. Il dit, je ne peux pas permettre que le nom de l'Éternel soit humilié. Amen. Amen. But when we look at the attitude of others. Mais lorsque nous regardons l'attitude des autres. Eliab and other soldiers in Israel. Eliab et les autres soldats en Israël. They were praising Goliath. Ils étaient en train de louer Goliath. They said, "Do you see how he is?" En train de dire, tu vois comment il est. This man is very strong. C'est monsieur très puissant. He is coming to challenge us. Il est venu nous défier. No one can fight with him. Personne ne peut contre lui combattre. It's impossible. C'est impossible. You start murmuring. Vous commencez à murmurer. You start seeing yourself small before the enemy. Tu commences à se voir lui-même petit devant l'ennemi. The enemy is using his stick. Au même moment, l'ennemi est en train d'utiliser sa tête, en train de balayer, en train d'envoyer les gens par terre. But you are speaking about the work of the enemy. Mais tu parles des œuvres de l'ennemi. Amen. Amen. You know, as I'm preaching now, tu sais, comme je suis en train de prêcher maintenant, there are many good things. Il y a beaucoup de bonnes choses that we don't remember. Qui ne seront pas souvenues. But if something wrong happens, only one. Mais si seulement une seule mauvaise chose, les gens vont se souvenir de cette
mauvaise erreur. This is what is wrong with our churches today. C'est ce qui est mauvais dans notre église. In this end time, dans ces temps de la fin, we are at war with the enemy. Nous sommes dans la guerre avec l'ennemi. Amen. Amen. And that war, et cette guerre, it is greater than the witches and the wizards of your family. Est plus grand que les sorciers, les féticheurs de ta famille. Because if you are weak in the church, car si tu es faible dans l'église, you cannot overcome the witches of your family. Tu ne peux pas vaincre les sorciers de ta famille. Amen. Amen. Where you need to be strong is in the church. Là où tu dois être puissant, if fort, you overcome Satan in the church, si tu vas vaincre les Satan dans l'église, you will overcome him everywhere tu vas les vaincre partout où tu iras. Amen. If you overcome Satan, si tu vas vaincre les Satan, no witch will never touch you. Aucun sorcier ne va te toucher. No witchcraft will never destroy you. Aucun féticheur ne va te détruire. Because you have destroyed the king. Car tu as déjà détruit les rois. Amen. Amen. Let us try to be strong in the church. Nous devons essayer d'être puissants dans l'église. Amen. Amen. Supporting one another in the church. Se supporter les uns les autres dans But l'église. Eliab came. Eliab est venu. Somebody who comes with a very positive mind. Quelqu'un qui vient avec une pensée positive. There are people like that among us. Il y a des gens comme ça parmi nous. Amen. Amen. Who will know you better than yourself? Qui va mieux te connaître que toi-même? Then Eliab came. Il est venu. What are you doing here? Que fais-tu ici? First of all, he humiliated him before the people. Premièrement, il vient d'abord humilier au devant. With whom did you leave that small sheep, that few? He called them that. Those were also the sheep of his own father. But say those few sheep of yours in the sheep in the bush. À qui as-tu laissé ces petits cette petite quantité de brebis dans la brousse? Amen. That means that even if you are a shepherd, you are only a shepherd to a few sheep. Ça veut dire que même si tu es un berger d'un petit montant. You are only a small shepherd. Tu es juste un petit berger. With whom did you leave those few sheep of yours in the bush? Avec qui as-tu laissé ces peu de brebis dans It's la brousse? It's also telling that. C'est juste pour te dire. This is not your place. Ceci n'est pas ton endroit. You don't belong here. Tu n'appartiens pas ici. Amen. Amen. Listen very well. Écoute très bien. Don't allow anyone. Ne permets personne. Determine for your life where you belong or not. Pour déterminer sur ta vie. Où tu appartiens. You are in a mission with the Lord. Tu es dans une mission avec les Seigneurs. And the mission that you have with the Lord, only the Lord knows it. Et la mission que tu as avec l'Éternel, seul Dieu connaît. And when you are standing for the Lord. Et lorsque tu te tiens pour le Seigneur. Don't ever allow anyone to discourage you. Ne permets que personne puisse te décourager. Amen. Amen. Don't ever allow. Ne permets jamais. Because people will come like Eliab. Car les gens viendront comme Eliab. They will look at you. Ils vont te regarder. They say you are so arrogant. Ils vont te dire que tu es tellement arrogant. Amen. I know how arrogant you are. Je sais combien arrogant tu es. Amen. Amen. These are people are. C'est comme ça que les gens. When you are worshiping in the church. Lorsque tu adores à l'église. They say you show it yourself. Ils vont dire tu te montres. Amen. Amen. When you give an offering, they say you are showing yourself. Lorsque tu donnes l'offrande, non, tu démontres. You buy something for the church, they say you are arrogant. Tu achètes quelque chose pour l'église, ils diront que tu es arrogant. But you don't do it for them. Mais tu ne fais pas pour eux. Amen. 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 Don't ever allow anyone to discourage you. Ne permets personne de te décourager. Amen. Amen. It's reaching a point where many people are now afraid to give a testimony because people, other people will discourage them. Ça a même atteint le niveau où beaucoup ne veulent plus témoigner car les autres, les gens de l'église vont les décourager. Amen. Et si je donne ces témoignages, qu'est-ce que les gens diront de moi? Les gens vont se moquer de moi. Amen. Amen. The testimony is not about your honor. Le témoignage n'est pas, ne t'appartient pas. It's about honoring God. C'est juste pour honorer Amen. Dieu. Amen. Let other people shame. Laisse que les gens se moquent de toi. But you are giving it. Mais tu donnes l'honneur à Dieu. Car c'est en toi. Who knows where it did pick you up? Tu connais où est-ce qu'il t'a ramassé. When you were in that mud. Lorsque tu étais dans ce moment d'arabou. No one was there with you. Personne n'était avec toi. You know when he visited you. Toi-même tu connais you know when he washed you. Toi-même tu connais lorsqu'il t'a lavé. Amen. I will never be ashamed. Je ne serai jamais somebody afin de faire donner un témoignage pour me when I was dirty. Qui m'a pris lorsque j'étais sale. He washed me. Il m'a lavé. He dressed me. Il m'a habillé. He made me stand before the people. Et il m'a fait tenir devant les gens. Now I'm afraid. Et j'ai peur. If I say that he picked me up from the dead. Si je dis qu'il m'a pris de la saleté. People will understand that I used to be dirty. Les gens vont comprendre que j'étais sale. No. Non. Let it glorify God. Laisse
sera glorifié. Apostle Paul says, l'apôtre Paul dit, if I will glorify God, si je vais glorifier Dieu, I will glorify him through my weakness. Je vais le glorifier à travers mes faiblesses. Amen. Amen. I will glorify him through my weaknesses. Je vais le glorifier à travers mes faiblesses. Because it is through my weaknesses à travers mes faiblesses that I understand the power of God. Que je comprends la puissance de Dieu. Amen. Amen. Not in your strength. Pas dans ta force, mais dans tes faiblesses. À travers nos faiblesses, nous devons glorifier Dieu. Amen. Amen. When you stand in the church, lorsque tu te tiens à l'église, don't allow anyone to discourage you. Ne permets personne de te décourager. You are in a mission with God. Tu es dans la mission avec Dieu. And do it very well. Et fais-le très bien. Amen. Amen. And Eliab looked at David. Et Eliab a regardé David. He said, I know how wicked is your heart. Il dit, je sais combien est mauvais ton cœur. Amen. He knows even the heart of David. Il connaît même le cœur de David. Amen. Amen. What is a wicked thing that David was doing in that moment? Quelle est la mauvaise chose que David faisait en ces temps-là? Amen. Amen. This is our churches today. Ceci est notre église. If somebody is very holy, si quelqu'un est saint, they say he's a hypocrite. On dirait qu'il est hypocrite. Amen. Amen. If somebody humble himself, si quelqu'un s'humilie, they say he's a hypocrite. On dirait qu'il est hypocrite. Amen. Amen. Non, mais bien, if somebody humble himself, si quelqu'un s'humilie, it doesn't mean that he don't have the feeling. Ça ne signifie pas qu'il n'a pas les sentiments. It doesn't mean that he don't feel the pain. Cela ne veut pas dire qu'il ne sent pas la douleur. But he has only better quality than what you have. Mais il a juste une bonne qualité que toi tu n'as pas. Amen. Amen. You cannot stand the pressure. Toi, tu ne peux pas détenir devant la pression. Parfois, il y a des provocations. You manifest your weakness. Tu manifestes ta faiblesse. By the anger. Par la colère. But him, mais lui, il contrôle cela. He it il met cela. He is not an hypocrite. Il n'est pas hypocrite. But he has maturity. Mais il a la maturité. Il a un caractère puissant. Il connaît comment contrôler les situations. Ça, c'est la qualité que nous avons besoin à l'Église. Amen. Amen. We must stop reading people. Nous devons arrêter de lire les gens. Nous allons les faire. Amen. In every relationship, dans toutes les relations, if one starts knowing the other better, too much, not better, too much, si l'un commence à connaître les autres tellement mieux, that relationship is collapsing. Cette relation va s'écrouler. Ce mariage va tomber. The trust is dying. La confiance est en train de tomber. Amen. Amen. Très important, mes bien-aimés. Amen. Amen. Don't ever try. N'essaie jamais. To know your partner too much. Connaître ton partenaire trop bien. Trop bien. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Amen. Amen. Just try to understand. Essaie juste de le comprendre. Amen. Amen. Here, ici, Eliab a regardé la vie. Il dit, tu es mauvais, tu es méchant. Pas méchant. But I like the quality of David. Mais j'ai aimé la qualité de David. He was not discouraged. Il n'était pas découragé. Because he knew what he was doing. Car il connaissait ce qu'il faisait. La Bible dit, he only asked a question. Il a juste posé la question. Can I not speak again? Je n'ai plus le droit de parler. Wrong did I do? Qu'est-ce que je fais du mal? Just il a juste tourné. And he continued his mission. Et il a continué avec sa mission. What will the king do for the one who will kill this man? Qu'est-ce que le roi fera de la personne qui va tuer ses he was not discouraged. Il n'était pas découragé. His mission, sa mission was to remove a shame. C'était d'ôter cette honte à Israël. Amen. Amen. To remove a shame to Israel. D'ôter cette humiliation that à Israël. That must be the attitude of every member of the church. Cela doit être l'attitude de tout membre de l'église. Your mission must be to remove a shame in this church. Ta mission doit être d'ôter la honte à cette église. Whatever the situation, peu importe la situation, stand for your church. Tiens-toi pour ton église. Stand for the people of God. Et tiens-toi pour le peuple de Dieu. And stand for everyone who's calling upon the name of Jesus. Et tiens-toi pour tout celui qui appelle au nom de Jésus. Pray for them. Prie pour eux. Amen. Amen. And do your best to remove a shame. Et fais ton mieux pour ôter la honte. But don't criticize. Mais ne critique pas. Amen. Amen. We are criticizing too much than praying for one another. Nous critiquons beaucoup que prier pour les autres. Amen. Amen. Problème. Les problèmes sont toujours. And we are at the war. Et nous sommes the la guerre. The tail of the dragon is waking. La quête du dragon est très vraie. Amen. Amen. Listen,
Écoutez, nous ne sommes pas meilleurs que tous les pasteurs qui tombent aujourd'hui. Amen. Nous ne sommes pas meilleurs que tous ces pasteurs qui vont dans des maisons des sorciers, des féticheurs aujourd'hui. Amen. Ils ne pouvaient juste pas se tenir devant la tentation. Peut-être que la tentation qui lui arrivait lui n'est jamais arrivée. Je ne vais pas parler cela à lui. Car je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a traversé. Suis-je capable de me tenir devant cela? Amen. Pour qu'il ne puisse pas permettre que cette tentation. Je ne veux même pas que cette tentation puisse devenir proche de moi. Amen. Amen. Then you pray for the other one. Et ainsi tu pries pour les autres. Listen, if somebody falls, écoute, si quelqu'un tombe, commet un sin, commet un péché, ne sois pas pressé pour se démontrer, pour critiquer. Because you are not stronger than you. Car tu n'es pas tellement puissant que lui. Amen. Amen. There are some stuff that you do it yourself. Il y a certaines choses que tu fais toi-même. Tu connais. That is even worse than that person. Qui est même pire que cette autre personne a fait. La différence est ceci. Toi, ce que tu fais, ce n'est pas pour lui. Amen. Amen. That's c'est la seule différence. Be careful. Fais attention. Amen. Amen. Let us stand for one. Nous devons nous tenir les uns les autres. Nous devons construire l'église de Jésus. Parmi les disciples de Jésus, il y avait aussi ceux qui étaient faibles. Amen. Amen. Mais cela n'a pas fait de Jésus un mauvais pasteur. Cela n'a pas fait de cette organisation une organisation faible. Amen. Amen. Judas was stealing money from the saving. Il y avait Judas qui volait l'argent des parents. Amen. Amen. But Jesus was a very powerful preacher. Mais Jésus était un prédicateur puissant. Amen. Amen. Weak people will always be there. Les gens seront toujours là. Some with bad behavior will be there. Les gens avec mauvais comportement seront là. But let us pray for one another. Mais nous devons prier les uns in pour les autres. Time. À ce moment, notre plus grand ennemi, c'est le Satan. And he will never come physically. Et il ne viendra jamais physiquement. To fight you. Pour te combattre. Amen. Amen. He will introduce himself secretly among us. Il va s'introduire secrètement parmi nous. Because Satan is a spirit. Car le Satan c'est un esprit. You will not see him. Tu ne le verras pas. But he's already there. Mais il est déjà là. Amen. Amen. He will use even the person close to you. Il va même utiliser la personne la plus proche de toi. To come and discourage you. De venir te décourager. To serve the Lord. Servir l'Éternel. Amen. Amen. When David was speaking. Lorsque David était en train de parler. It was not other people. C'était pas les autres personnes. C'était son propre grand frère qui est venu le décourager. La personne la plus proche était la personne. Amen. C'était pas les autres personnes. Les autres personnes l'ont répondu. Mais son propre frère est venu l'humilier. Amen. Pour le stopper. Pour défendre les armes de Dieu. Pour défendre l'armée. Just imagine. Imagine-toi. David had to listen to his brother. David écoutait son frère. Amen. Amen. He turned back to the bush. Il est rentré dans la brousse. And take care of the sheep. Et prendre soin des brebis. Israel was going to be defeated. Israël devait être en défaite. Amen. Amen. If David, si David listened to his brother, avait entendu son returned frère, returned to the bush, rentré dans la brousse, his status, son statut ne devait pas changer. Amen. Amen. When the Lord is putting in your heart, lorsque l'Éternel place dans ton cœur, to do something for his work, pour faire quelque chose pour son œuvre, the Lord wants to change your status. L'Éternel veut changer ton statut. It means the Lord wants to introduce you to new things. Ça veut dire l'Éternel veut t'introduire dans de nouvelles choses. Because it was on that day, car c'était dans ces jours-là, that the status of David changed. Que le statut de David avait changé. From the shepherd, à partir de berger, to the son-in-law of the king. Au beau-fils du roi. From that day, à partir de ce jour-là, he moved from the bush, il a quitté de la brousse to the king's palace. Les palais royaux. From that day, à partir de ce jour-là, he stopped
Il a cessé de sentir les prédits. Et il a commencé à sentir les parfaits. Amen. Amen. Car les statuts avaient changé. Why? Pourquoi? Because of the determination. À cause de la détermination. That he had to defend the name of the Lord. Qu'il avait pour défendre the les noms de l'Éternel. L'Église, c'est l'armée de l'Éternel. S'il y a quelque chose que tu dois faire, défendre les noms de l'Éternel. Amen. Amen. Les autres choses, do it. Fais-le. Not for you, pas pour toi, but for the name of the Lord. Mais pour les noms de l'Éternel. You know why the church is being destroyed today? Tu sais pourquoi l'Église est détruite aujourd'hui? Amen. Amen. No, I will not say destroyed, but the church will never be destroyed. Je ne veux pas dire. The message says the gate of hell will never overcome. Car le message dit les écluses de l'enfer ne vont pas vaincre cela. Donc je vais fixer cela. L'Église ne sera pas détruite. Why? Sometimes we're getting weak. Mais pourquoi parfois nous devenons faibles? Because weakness is not distraction. Car la faiblesse n'est pas encore la destruction. Why the enemy sometimes playing with us? Pourquoi parfois l'ennemi joue avec nous? When we're supposed to be strong. Là où nous devions être puissants, we are weak. Nous sommes faibles. Because today in the church, car aujourd'hui dans l'église, people don't look at the name of the Lord. Les gens ne regardent pas les noms the de l'Éternel. L'intérêt de l'Éternel. Les gens sont en train de regarder leurs propres their intérêts, own honor, leurs propres honneurs, leurs propres fierté. Amen. Amen. Because he did this to me. Car il a fait ceci à moi. Je veux plus les parler. Je ne veux plus les saluer. Je n'irai plus à l'église encore. Tout, c'est à propos de ton honneur. Amen. Amen. Why pastors have been divided today? Pourquoi les pasteurs sont divisés aujourd'hui? Il va aussi faire son propre église. Quand tu suis dans ta vie, c'est tout tourne autour de l'honneur personnel. Amen. Amen. People are not looking at the honor of the Lord. Les gens ne cherchent plus l'honneur de Dieu. In life, écoute, dans la vie, accepte de perdre, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. I'm able also to defend myself. Et sois aussi capable de te défendre à ta vie. Mais à cause du nom de l'Éternel, je ne le verrai pas. Amen. Amen. That's why you see sometimes, voilà pourquoi tu vois certains moments. You will never see me polemiquing with other people. Tu ne me verras jamais en train de polémiquer avec les autres Amen. Personnes. Amen. I'm not like that. Je ne suis pas comme ça. I keep quiet. J'ai garde silence. Pour seulement l'honneur de Dieu. Amen. Amen. Some people come to me and give me advice. Certaines personnes viennent auprès de moi et me donnent certains conseils. Pasteur, pourquoi certains temps tu ne parles pas? Why you keep quiet? Pourquoi tu gardes silence? I said, no, it's not important. J'ai dit non, ce n'est pas important. Amen. Amen. Je vais garder silence. Amen. Amen. I remember there was a brother time. Je me rappelle, il y avait un frère. Someone spoke very bad about me. Quelqu'un lui a parlé de à mal contre moi. That brother came to me. Ce frère est venu vers moi. Beat il dit, pasteur, je vais frapper cette personne. Il est maintenant la personne qui voudrait se battre pour moi. J'ai dit, depuis quand? Personne ne combat pour moi. Laisse que l'Éternel le fasse. Amen. Amen. Je ne répondrai jamais aux insultes. Je ne vais jamais répondre aux critiques. Je n'ai pas besoin de me défendre. Amen. Amen. Car la vérité viendra toujours au clair. Amen. Amen. I don't like defending. Je n'aime jamais me défendre. Amen. Amen. But I put the honor of the Lord first. Mais je place d'abord l'honneur de Dieu premièrement. Ça c'est très important. Amen. Amen. It is not a weakness. Ce n'est pas la faiblesse. It is a quality. C'est une qualité. Amen. Amen. I'm a very strong man. Je suis un homme puissant. Voilà pourquoi je vous dis ceci. I will never die with a heart attack. Je ne veux jamais mourir avec une crise cardiaque. Amen. Amen. In my age, à mon âge, Amen. Amen. I don't have high blood pressure. Je n'ai pas de problème d'hypertension. Amen. Amen. You know how many in my age is suffering with that? Tu sais combien de mon âge ont des problèmes d'hypertension? Amen. Amen. 53 years old. J'ai 53 ans aujourd'hui. J'ai 52 ans aujourd'hui. Amen. Amen. Yeah, I'm already 53 years old. Amen. Amen. Yeah, we're already a few months in the next year in the church. Yeah. Amen. Amen. Do you understand? Comprends. I don't have high blood pressure.
Je n'ai pas d'hypertension artérielle. Amen. Ce n'est pas parce que je tiens compte de ce que je mange. S'il y a quelque chose que je ne sais pas ce qu'on va faire, je ne sais pas comment manger. Amen. Amen. I don't eat very well. Je ne mange pas très bien. I don't know why. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Amen. I don't like too much food. Je n'aime pas tellement la nourriture. I don't regret. Je ne prends pas les lits. Amen. Amen. Because if I drink it, my stomach cramps, then I stop drinking. Car si je prends les lits, mon estomac, alors j'ai arrêté les fonctions. I keep myself strong. Je me suis gardé moi-même mentalement. I refuse. J'ai refusé to be affected. D'être affecté by any problem, par n'importe quel problème, n'importe quelle situation, that comes, n'importe quoi qui vient, the Lord, j'ai prié à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, je les laisse en vous. Et après que j'ai fait cette prière, j'attends de l'Éternel. Amen. Amen. If the Lord fails, si l'Éternel dit, if the Lord fail, si l'Éternel échoue, ce n'est pas mon problème. Amen. Amen. Let him fail. Laisse-lui échouer. Why should I suffer when the Lord is failing? Pourquoi je vais souffrir lorsque l'Éternel échoue? When he will win? Quand il va gagner? Is it going to be my glory? Ça sera ma gloire? No, it's going to be his glory. Non, ça sera sa gloire. Amen. Amen. And if he fails, et s'il échoue? It's going to be his shame. Ça sera sa honte. Amen. Amen. That's why even in the church. Voilà pourquoi même à l'église. When I pray for people, quand je prie pour les gens, I do my job. J'ai fait mon travail. Rest belong. Les restes appartiennent à l'Éternel. Amen. Amen. Laisse-lui se glorifier lui-même. Ce n'est pas ma responsabilité. Amen. Amen. I will do what he tells me to do. Je ferai ce qu'il me dit. Les restes belong to him. Les restes lui appartiennent. Amen. Amen. You see, by lack of understanding of these things, tu sais, par manque de connaissance de ces choses, this is why people are going to witchcraft. Voilà pourquoi les gens vont chez les chrétiens. They want the glory. Car ils aiment la gloire. When I pray something must happen. Quand je prie, quelque chose doit arriver. No, why must something must happen? Pourquoi quelque chose doit arriver? It doesn't depend on me. Ça ne dépend pas de it moi. It depends to the Lord. Ça dépend de l'Éternel. Amen. Amen. I cannot force things happen. Je ne peux pas forcer que les choses arrivent. Let the Lord do it. Laisse que l'Éternel fasse cela. This is how it must happen in the church. Voilà comment ça doit arriver à l'église. Amen. Amen. And the Lord will do everything on his time. Et l'Éternel fera toutes choses en son temps. I leave everything with the Lord. Je laisse toutes choses avec l'Éternel. Et je garde ma paix. Amen. Amen. This is what is keeping me strong. Voilà ce qui me garde puissant. Don't allow problems to overtake. Ne permets pas que les problèmes prennent contrôle de toi. Pour contrôler tes pensées, ça va te détruire. Amen. Amen. Remain strong in God. Demeure puissant en Jésus-Christ. And don't allow people to discourage. Et ne permets pas que les gens puissent te décourager. Comme membre de la Chine. Ce que tu as comme mission dans la vie. What you have a mission with God. Ce que tu as comme mission avec Dieu. Fais-le très bien. And I will tell you, et je te dis, every time, toutefois, do your best. Fais de ton mieux pour défendre l'honneur de Dieu. Amen. Amen. Come to the church. Viens à l'église. Find out about the problem. Trouve où est le problème. And resolve this problem. Et résous ce problème. Amen. Amen. Be a solution giver. Sois des donneurs de solutions. Because in this end time, car en ces temps des fins, the devil is fighting. Les diables sont en train de nous combattre. Do you know about all the bad propaganda that is taking place from the social media? Es-tu au courant de toutes ces mauvaises propagandes qui prennent place aux réseaux sociaux? Against the church. Contre l'Église. Do you know how many people have decided to never go to church again? C'est-tu combien de gens ont pris la décision de ne plus aller à l'Église? Amen. Amen. The devil is winning on that side. Les diables sont en train de gagner de ce côté-là. Many people. Beaucoup de gens. Say, ont arrêté d'aller à l'église. Because all these pastors, car tous ces pasteurs are just cook, sont juste des escrocs. Amen. Amen. They are making churches. Ils font des églises to become rich. Pour devenir des riches. Amen. Amen. I've said to somebody yesterday, j'ai dit à quelqu'un hier, there's no money in the church. Il n'y a pas de l'argent dans l'église. Amen. Amen. If you will go to church because you want to become rich, you will die. Si tu vas faire l'église pour devenir riche, tu vas mourir. Amen. Amen. You will die. Tu vas mourir. Amen. Amen. Don't ever become a pastor for you to become rich. Ne deviens jamais pasteur pour devenir riche. No. Non. This is why people, you will start stealing from the people. Voilà pourquoi tu vas commencer à voler des gens. That's why you see others. Voilà pourquoi tu vois les gens. By the wrong motive.
par un mauvais motif. Ils vont commencer à vendre de la drogue. Ils sont dans ces mafias de l'or. Ils sont dans toutes ces mauvaises choses. Car ils avaient pensé à ces choses. Que l'Église fera d'eux des riches. Non. Les buts de l'Église, c'est pour nous préparer pour le royaume de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit est en train de nous préparer pour le royaume, il va aussi nous disponibiliser pour à ceux qui sont fidèles. C'est vrai que l'Éternel ne va jamais te laisser mourir. C'est vrai. L'Éternel mettra toujours les pains sur ta table. L'Éternel va toujours te mettre pour ta table. Il ne va jamais te laisser. Mais cela n'était pas le but. Les buts d'Israël marchant dans les déserts. Ce n'était pas pour manger de la manne. C'était d'atteindre la terre promise. Amen. Amen. Many died. Beaucoup sont morts. Because instead of looking at the promised land, car au lieu de regarder la terre promise, ils ont commencé à se lamenter pour la nourriture. Voilà pourquoi nombreux d'entre eux étaient morts. Car ils avaient oublié l'objectif pour lequel ils étaient dans le désert. Ce n'était pas pour eux de manger la viande, le pain et la manne. Amen. 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 Mais c'était d'aller sur la terre. L'Église ne peut pas oublier sa mission. Amen. Amen. We are temporarily in this earth. Nous sommes sur cette terre temporairement. Amen. Amen. Our mission is to go to heaven. Notre mission, c'est d'aller au ciel. N'oublie jamais cela. Ne sois pas troublé par les bonnes choses de ce monde. C'est un autre instrument que le dragon est en train d'utiliser pour rendre ta foi faible. Lorsque tes finances vont devenir difficiles, tu commences à pleurer. Tu perds mais tu perds la foi, tu perds la force, tu commences à stresser. Car tu n'as pas un bon travail. À tout ton argent que tu reçois, tout va aller pour payer la maison. Si tu es un peu plus difficile, tu ne peux pas diviser. Les loyers te prennent la moitié de ton salaire. Amen. Amen. This is the reality we're going through. C'est ça la réalité que nous traversons. Amen. Amen. And when you add electricity and water, et lorsque tu ajoutes l'électricité et l'eau, amen. Amen. But don't allow those things to trouble you. Mais ne permets pas que ces choses puissent te troubler. Amen. Amen. Des mères fermes dans l'Éternel. Et l'Éternel va continuer à pouvoir pour toi. Il va toujours te donner les doigts. Et c'est ça, c'est en demeurant fidèle. Amen. Des mères fidèles dans l'Éternel. Ne perds jamais espoir. Car le diable va utiliser l'économie de ce monde. Il va utiliser les politiciens. Amen. 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 Tu verras que les politiciens deviennent très rusés. Amen. Amen. Tu sais, un vrai enfant de Dieu ne peut pas supporter un politicien. Amen. 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 Car ils sont tellement rusés. They work for themselves. Ils travaillent que pour eux-mêmes, pas pour le peuple. Amen. Amen. Or en réalité, Dieu a donné une terre pour toutes les nations pour les biens de tout, de chaque peuple. It means every people. Ça veut dire toute personne. Must enjoy. Doit se réjouir avec les biens de ce pays. If there is a God in the country, s'il y a un homme dans ce pays-là, the people of the country must benefit from it. Les peuples de ce pays-là doivent bénéficier de cela. It is for the people. C'est pour les peuples. But what the politicians are doing today, mais c'est que les politiciens vont faire. They are keeping everything for themselves. Ils prennent tout pour eux-mêmes. They forget the people. Ils oublient les peuples. You are singing for them. Tu es en train de chanter pour eux. Stealing from et ils sont en train de voler de toi. Amen. Amen. And they will not lose taxes. Et ils vont vous acheter des taxes. And there is something that I never understand. Et il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. Amen. Amen. Those with the great salary, ceux qui ont des plus grands salaires, they don't pay electricity.
Ils ne payent pas l'électricité. Ils ne payent pas de l'eau. Ils n'achètent pas la nourriture. Ils n'achètent pas de voitures. Ils n'achètent pas de maisons. On leur donne toutes ces choses gratuitement. Et au-dessus de cela, on les donne le plus grand salaire. Amen. Maintenant, le peuple qui est pauvre là, qui travaille. Amen. Amen. Ils doivent payer l'électricité, de l'eau, ils doivent payer les maisons, les transports et toutes choses. Avec ce petit salaire. Comprends-tu cela? Ça, c'est combien est méchant le monde. Amen. Dans la réalité, les présidents, les ministres, ils devaient acheter des voitures pour eux. Ils devaient payer leur électricité. Car ils reçoivent beaucoup pour tenir leur vie. Amen. Mais ils reçoivent tout de l'argent et toutes ces choses gratuitement. Il y avait un ministre en tant que chef. Lorsqu'il a commencé à travailler, ils lui ont donné une voiture du gouvernement. Il n'avait pas aimé cela. Lorsqu'il attendait qu'on lui donne une nouvelle voiture, il devait louer une voiture pour lui. 100 000 rentes par mois. Juste pour louer une voiture pour eux. Pendant qu'ils attendaient de trouver ce qui pouvait les convenir. And they pay for 6 months. Et ils ont payé cela pendant 6 mois. Amen. Amen. 100 000 rentes. How many salary? Combien en Afrique du Sud ont ces salaires-là? Et ils font un travail décent. Amen. Amen. Combien? Ils ne sont même pas proches à cela. Amen. Et c'est comme ça qu'est mauvais le monde. Amen. Et le problème est, même ceux qui sont enfants de Dieu, lorsqu'ils deviennent des politiciens, ils font la même chose. Amen. Voilà pourquoi je vais te conseiller de ne pas changer en politique. Ça va te détruire. Voilà pourquoi Jésus. J'ai compris maintenant. Lorsqu'on a voulu les rendre rois, il a fui. C'est il est le seul dans l'histoire qui a fui de devenir roi. Amen. Amen. Because he knows. Car il connaît. The system of this world. Le système de ce monde. It is corrupt. C'est corrompu. I cannot be involved in it. Je ne peux pas être impliqué en cela. Amen. Amen. Je préfère être pasteur qu'un ministre. Car ma conscience est sans reproche. Amen. Amen. Church of God. Église de Dieu. C'est le temps de se tenir. Nous sommes dans un combat. Et cette bataille est une réalité. C'est venu dans une autre époque. Je parle plus de l'église. Mais cela arrive à tous les niveaux du monde. Le dragon est en train d'agir. C'est son temps. Écoute très bien. Sans la prière, il n'y a pas la prière qui va les stopper de faire cela. Car c'est son temps. Amen. Amen. Non, send the fire. Pas de envoyer le feu. He will stop him. Va les stopper. Amen. Amen. He will continue. Il va continuer à faire cela. What the church needs. Ce que l'église a besoin. Pray for one another. C'est prier pour les uns. Remain strong. Pour devenir so fermes. That we cannot fall. Afin que nous ne tombons pas. In the under the influence of his day. Dans la l'influence de sa queue. Amen. Amen. Because the devil will continue to rule. Car le diable va continuer à dominer. Until his time will be over. Jusqu'à ce que son temps sera fini. Amen. Amen. Until his time will be over. Jusqu'à ce que son temps sera fini. And the only one who can stop him is Jesus Christ. Et la seule personne qui peut les stopper, c'est Jésus Christ. Amen. Amen. Our prayer. Nos prières. Will only protect us. Va seulement nous protéger. Against his ways. Contre ses œuvres. Amen. Amen. But he will continue. Mais il va continuer à évoluer. Then you do best.
to remain strong. Et toi, donne le meilleur pour demeurer ferme. Allow any influence of the devil. Ne permets jamais l'influence de la queue around autour de toi. Amen. Demeure ferme. Amen. Lève-toi pour le nom de l'Éternel. C'est la seule chose qui va te garder ferme. Tiens-toi debout pour le nom de l'Éternel. Pour Jésus, je ne serai jamais ferme. Pour Jésus, je dirai à l'église. Pour Jésus, je vais prier. Pour Jésus, je vais adorer. Pour Jésus, je vais garder ma foi. Pour Jésus, je vais persévérer. Pour Jésus, je vais lire la Bible. Pour Jésus, je vais supporter l'église. Pour Jésus, je vais me tenir ferme. Et à cause de Jésus, je vais prier pour les autres personnes. Je vais prier pour ceux qui sont faibles. Amen. Amen. Comme nous sommes aujourd'hui, si tu entends qu'il y a une église qui est dans les troubles, je vais te conseiller. Même si tu n'es pas membre de cette église-là, prie pour eux. Amen. Amen. Prie pour eux. C'est très important. Ce qui les arrive, ça nous arrive aussi. Car tous nous portons les mêmes noms. Amen. Amen. Et combien plus fort? Ton frère et ta soeur que vous priez ensemble dans une même église. Amen. Amen. Priez pour les uns pour les autres. Nous devons être unis. Et nous devons demeurer forts. Et vous allez voir ce que Dieu va continuer à faire pour nous. Et Dieu bénisse sa parole.